Et cet invité ce matin, c'est vous, Antoine Voters. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes euh, écrivain, poète, vous êtes aussi scénariste. Votre dernier ouvrage, c'est le Musée des Contradictions. C'est un recueil de 12 discours engagés euh, qui dépeignent notre monde d'aujourd'hui, qui a obtenu notamment le, le Goncourt euh, euh, de la Nouvelle, je crois. Oui. Euh, mais celui qui nous intéresse ce matin, c'est celui qu'on voit à l'image en ce moment. Il a marqué la critique, il est sorti l'an dernier. Il a reçu plusieurs prix, notamment le prix Inter il y a quelques jours seulement. Oui. Euh, une nouvelle... Poétique, c'est une histoire composée en, en vers libres, autrement dit qui ne respecte pas les codes, pas forcément des rimes ou des alexandrins. Euh, ça s'appelle donc Marmoudou, de la Montée des Eaux, c'est aux éditions Verdier. Et en gros, c'est un livre qui décrit en quelque sorte la société syrienne sous Hafez al-Assad, puis sous Bachar en passant par Daesh et à travers le destin d'un homme. C'est un vieux poète, un ancien professeur. Tout se passe autour du lac Al-Assad, c'est dans la province d'Oraqa. C'est un lac central dans le récit. On va peut-être le voir sur une carte. On le verra un petit peu en image. On a quelques archives de ce lac Al-Assad dans la province d'Oraqa. Pourquoi est-ce que vous l'avez choisi C'est quoi votre rapport à la Syrie c'est un amour, de, c'est une affection, c'est un, un pays où je n'ai pas eu la chance de voyager malheureusement. J'ai pu faire un voyage assez long euh, au Liban qui m'a terriblement marqué et ça fait en gros une dizaine d'années que je m'intéresse vraiment à ce qui se passe dans cette partie du monde. Euh, ce qui fait que je me suis euh, passionné ou intéressé à ce sujet-là, c'est que je me suis rendu compte autour de 2015 quand j'ai commencé à écrire le livre que ce que j'en apprenais, ce que j'en découvrais au travers des médias me semblait lacunaire. Euh, et, et surtout que ça ne me permettait pas de ressentir euh, réellement ce qui se passait là-bas. Je crois que j'ai eu un mouvement de, de recul en entendant euh, ce qui se passait quotidiennement là-bas, euh, cette espèce d'information à flux tendu qui était pour ouais. moi euh, violente à recevoir, et surtout qui ne me permettait pas, pas d'aller plus loin dans la compréhension de ce qui se passe, du conflit. Et au départ, l'idée n'était pas d'écrire un livre, mais bien d'essayer de me donner les moyens de comprendre et de regarder cette réalité-là droit dans les yeux sans détourner le regard. C'était ça l'idée. Donc vous avez beaucoup lu, puis vous êtes beaucoup inspiré de documentaires d'un réalisateur syrien autour du barrage Absolument. C'est vrai que c'est le, le, le film qui s'appelle Déluge au pays du Bass de Omar Amiralay, réalisateur syrien qui est décédé en 2011, qui m'a donné l'idée d'écrire ce récit, puisqu'on y voit déjà la figure d'un vieil homme sur une barque et qui dit... Que sous le plancher de la barque se trouve son village, sa maison et son passé englouti. Et je me suis dit que c'était une belle manière d'essayer de raconter l'histoire de la Syrie, faire plonger un, un vieil homme littéralement dans les eaux du souvenir et dans, dans sa propre mémoire, qui est la, la mémoire aussi d'un pays. Donc c'est le héros de ce livre, hein, qui s'appelle ouais. Mahmoud. Euh, avec lui, on va naviguer sur ce lac né donc de la création de ce barrage sous Hafez al-Assad. Et, et, et sous cette barque, donc, il y a des dizaines de mètres d'eau, et puis il y a son ancien village, il y a ses souvenirs, son ancienne vie. Euh, entre ces deux périodes, il y a le régime totalitaire d'Hafez al-Assad, l'arrivée au pouvoir de Bachar avec espoir, puis ensuite la dictature sanguinaire, euh, arrive euh, Daesh. Pourquoi avoir choisi de retracer ces périodes à travers les drames d'un seul homme c'est une question presque de... de si j'avais été euh, cinéaste, la question se serait posée peut-être plus, euh, plus, plus frontalement encore. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on montre d'un pays en guerre euh, et, et un cinéaste aurait pu filmer la Syrie sous toutes ses dimensions. Et ça veut dire faire un film très horizontal qui montrait tout ce qui se passe sur la ouais. surface du territoire. Et moi, j'ai pensé que s'agissant d'un texte qui parle aussi de la mémoire et de ce qu'on ne voit plus, d'un pays parce que la guerre est un engloutissement, la guerre détruit toute trace du passé. J'ai trouvé que c'était intéressant de me focaliser justement à un endroit très particulier, c'est ce lac qui est le, le produit de la création du barrage de Tapka, et, et il se trouve qu'effectivement en 2017, c'est Daesh qui tenait ce, ce, ce lieu, ce barrage, et il y avait un risque d'inondation, inondation massive et majeure. Et je me suis dit, c'est quand même extraordinaire que ce pays et qui est déjà, depuis, depuis toujours en fait, euh, sous le joug d'une dictature, euh, et en plus ce risque d'un déluge si le, le, le barrage venait à, à céder, à rompre. Et j'ai pensé qu'en fait, l'histoire de la Syrie était contenue dans la seule image de Slack qui engloutit des populations. L'idée était très simple et je suis parti de, de là. Pour essayer de comprendre la façon dont vous l'avez construit, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous en lire un extrait si Ça vous ennuie un pas, parce que je trouve que c'est vraiment parlant de la façon dont, dont vous avez construit le, 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 le récit dans ce livre. C'est un, un petit passage. Euh... Donc, Marmoud est en, est en train de descendre dans les eaux du lac. Il dit « Je sauve un papillon de la noyade, mes doigts dans les algues comme d'autres algues de fins poissons ». Puis je ferme les yeux et je descends, descends, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun bruit, sauf celui de l'eau contre mon cœur, l'eau qui me respire et me console comme seule le peut une mère. Nageant, je redeviens l'enfant, marmoude des prairies. J'entends Mounir hurler sur moi qui suit le vent parmi les bêtes de son troupeau et qui les sème sur le sentier. Je sens le parfum de maman qui est une force virvoltante, un vrai buisson ardent, mais dont les nerfs aussi sont brûlants et ardents. Vieillir, c'est devenir l'enfant que plus personne ne voit, l'enfant dont on dit qu'il a les cheveux gris, dont on attend des choses, promesses, gloires et accomplissements, alors que tout ce qu'il souhaite, c'est rester à jouer avec son, mat avec son bâton en regardant tomber la pluie, les mains couvertes debout, de boue, vierge de paroles et de tout clinquant. Je suis vieux, Sarah de mon cœur, parce que j'ai sept ans tous les jours depuis sept décennies, mais que plus personne ne le voit. Ça, c'est voilà. quand il plonge. Il n'a pas vraiment envie de remonter ça. et d'affronter la Exactement, réalité. Exactement, c'est ça. Parce qu'elle est terrible pour lui. Euh, il plonge pour retrouver ses souvenirs, ses enfants, Brahim, Salim, Nazifé, euh, ses, ses femmes, Leila, Sarah, ses parents aussi. C'est son quotidien. Et, et plutôt que d'abandonner face au drame, aux au nombreux deuils qu'il a connus, aux duretés de cette époque de la dictature, de trois ans de torture en. En prison, il continue à, à, à s'accrocher à, à la vie. C'est le cas de beaucoup de Syriens. On parle beaucoup de résilience en ce moment, c'est un peu le terme à la mode. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui fait que cet homme continue de s'accrocher à la vie, lui qui a tout perdu À la fois, il continue et il ne continue pas. Ce que, ce que vous disiez est très juste, c'est que quand il plonge, il est dans un rapport très paradoxal à tout ça. Est-ce que réellement, c'est peut-être une fuite aussi, hein, simplement se laisser engloutir comme ça, euh, ou retrouver un temps qui était plus heureux et il a un rapport particulier au combat. Ses enfants sont partis se battre, ses enfants sont partis euh, lutter contre, contre le Bachar. pouvoir, manifester. Et lui, comme beaucoup de poètes syriens, mais ça réellement euh, aujourd'hui en Syrie, il y a eu beaucoup d'écrivains et de poètes syriens qui, qui ont pris la parole en disant « Attention, au moment des printemps arabes, il est tout à fait légitime de rechercher cette liberté, mais n'oubliez pas qui vous avez en face de vous. Ouais. Bachar, on sait ce qu'il est capable de faire. Et donc, il y a eu comme ça des prises de, de, de parole qui disaient oui, on comprend cette jeunesse qui veut vivre, qui veut vivre librement. Et en même temps, faites attention parce que ce qui se joue est, est compliqué, est dangereux, et on sait, on sait de quoi Bachar est capable. C'est le propos du livre. C'est en gros un érudit, un, un intellectuel, mais qui ne prend pas position, qui n'est pas non. un véritable opposant, mais qui est comme beaucoup de Syriens, euh, qui, qui lit, qui s'intéresse au monde qui l'entoure, est-ce qu'il en reste encore beaucoup des, des gens comme ça en Syrie Qu'est-ce qu'on en, qu qu en sait de, de, de cette culture syrienne qui était riche à En fait, on en, sait, on en sait très peu et c'est ça, est, est ça qui moi m'a intéressé, m'a concerné dans l'écriture de ce livre. En fait, c'est un contre-récit ce texte, c'est essayer de, de faire sentir, de faire entendre ce qui se passe, une petite partie de ce qui se passe avec d'autres moyens, ici si c'est les moyens de vraiment de la, de la poésie, pour faire ressentir aux gens quelque chose, une vraie émotion. Mais tous les jours... Quand on s'intéresse à ça, on se rend compte qu'il y a des petites pièces du puzzle qui viennent s'ajouter. Récemment, il y a eu une tribune dans le monde signée par Jean-Pierre Filiu qui raconte comment justement deux Syriens, chercheurs, universitaires vivant aux Pays-Bas, ont réussi à rentrer en contact avec un tortionnaire du régime et comment cette personne a avoué parce que les, les deux chercheurs, en l'occurrence, se sont euh, déguisés ou cachés sous des pseudonymes. Cette personne a finalement avoué ce qu'elle avait fait, ce qu'elle avait commis comme atrocité, et c'est absolument terrible. Mais toutes ces choses, on les découvre petit à petit, et c'est là qu'on voit, et on, on peut faire un parallèle avec ce qui se passe en, en Ukraine pour le moment, c'est une guerre de l'information, et c'est une manière de cacher des pans entiers de l'histoire syrienne. Toutes les atrocités commises par le régime de Bachar, on en sait quelque chose, mais on est loin de connaître la, la, la vérité complète et l' pleurs de ce qui s'est joué là-bas et des gens qui résistent bien sûr il y en a énormément bien sûr et on en parle peu on continue d'essayer d'en parler ici euh, qu'est-ce que ça vous fait de recevoir autant d'honneur en ce moment c'est très ironique parce que ce livre et on le sent je crois dans la parole de Mahmoud elle-même euh, quand je l'ai écrit moi j'étais dans une période où je ne souhaitais plus forcément justement publier c'est très particulier de décrire en écrit Peut-être parfois aussi pour se cacher un peu. Et puis il y a une médiatisation qui arrive. Puis vous puis avez commencé à écrire en 2015. donc. Oui, j'ai commencé. Et le livre a dormi deux ans d'ailleurs. J'ai terminé de l'écrire et n'ayant plus forcément envie de publier à cette époque-là, il a dormi dans un tiroir. Et euh, c'est ma compagne qui m'a dit un jour Mais tu n'avais pas écrit un texte sur la, sur la Syrie Qu'est-ce qu'il est devenu Et je lui, ai lu, je lui ai lu le premier chapitre et elle m'a dit. Euh, Peut-être qu'il serait temps d'essayer d'en faire quelque chose, de le publier. Et ce qui est très ironique, c'est que parfois, quand on ne veut pas faire quelque chose, euh, et bien ce quelque chose qu'on crée malgré tout touche les gens. Et ça, j'en suis, j'en suis extrêmement ravi et honoré. Merci. Nous, on est ravi, et honorés de vous avoir reçu, Antoine Voters, pour parler de ce livre, donc « Marmouth de la montée des eaux. C'est aux éditions Verdier. Merci. Merci beaucoup. Un livre qui poursuit sa vie et qui continue à recevoir des prix près d'un an après sa sortie. Oui. Au plaisir de vous retrouver Merci beaucoup. ici et à tous.